Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Caca Arc-en-Ciel. Ouais, je m'y ferai pas à ce nom. Et je vous retrouve sur le jeu Crash Bandicoot 3 Warped. Ouais, donc c'est mon premier let's play sur cette chaîne. En fait, j'en ai déjà fait des autres. Bien sûr, je suis sur émulateur, sur PSX. C'est un jeu sorti en 1998, je pense. Développé par Naughty Dog. Et à l'instant où je vous parle, je suis en train de télécharger sur ROM Station, parce que j'utilise ROM Station pour télécharger. Je suis en train de télécharger Jack and Dexter de Precursor Legacy. En fait, j'avais commencé hier, il me reste 47 minutes après 3h30 de chargement. Et ça a foiré, mon PC a lagué, et ça s'est retiré. Alors là ce matin j'essaye. Et c'est bon, le téléchargement recommence là où c'était. Donc ouais. Bon ben je vais commencer à jouer. En espérant que ça va aller. Ouais donc je joue avec une manette, hein. C'est pour ça que... Enfin, sur mon ancienne chaîne, je vais pas vous la donner parce qu'elle est complètement pourrie. Ah, d'accord. Bon, attendez, il y a un petit problème de configuration des manettes. Quand j'appuie sur haut, ça descend. Quand j'appuie sur bas, ça monte. Donc, je vais vite mettre pause et voilà. Bon, j'espère que ça va aller. C'est magnifique. Oui, donc mes vidéos vont durer 30 minutes. Oh merde. C'est quoi ça? X, carré, triangle, rond. L1, R1, L2, R2. Start. Dodge. Pourquoi tu me donnes Dodge? Select. Ah bah ouais, mais je suis con. Fallait mettre nouvelle partie. Ouais, donc ma vidéo va durer plus ou moins dans les 30 minutes. Excusez-moi de la... De la médiocrité de mes vidéos, mais bon, c'est la première fois que je fais sur... un jeu PlayStation, enfin une plus grosse console quoi. D'habitude je faisais ça sur des petits émulateurs genre le biais jeu, les petits bêtes jeux Pokémon sur nos GBA, nos dollars GBA. Par contre j'espère que vous entendez, je vais un peu monter le son. Je monte vite un peu le son pour être sûr que vous entendez. Ouais, donc je disais, mes vidéos vont durer plus ou moins dans les 30 minutes. J'ai oublié de mettre mon chronomètre. Enfin, mon minuteur. Alors, j'ai mon... logiciel qui enregistre, ça s'appelle Cam Studio. Il marque le temps que c'est en train d'enregistrer. Et il le marque pas en minutes, il le marque en secondes. Donc là, ça fait 272, 273 secondes. Je pense que 30 minutes, c'est 1800 secondes. Ouais, bon, c'est 1800 secondes, donc je vais voir quoi, il faut arrêter ou pas. Bon, j'attends là.
Je crois que l'audio, il n'est pas mis en même temps que la vidéo là. Ouais, en fait, à l'origine, je devais jouer sur l'émulateur EPSXE, mais ça lag de trop, franchement, c'est pas supportable. Alors, je le fais sur PSX. Oh merde, excusez-moi, c'est mon antivirus. Oh, qu'est-ce qui se passe là? D'accord, donc la vidéo elle est toujours en marche, mais il se passe rien. D'accord. Bon, je pense que pour les cinématiques ça va pas le faire. Bon, on va voir comment ça va. Oh là là, ça va pas trop le faire ça. Bon, on va faire une nouvelle mémoire, hein. Une nouvelle sauvegarde plutôt, pas une nouvelle mémoire. Normalement, il est écrit carte mémoire, lecture du répertoire de la carte mémoire en cours. Alors. MT, je vais mettre quoi? Bon, je vais mettre. Oh. Bon, déjà, on l'entend rien qu'au son. C'est pas trop ça, mais c'est quand ça va, c'est déjà bien. Bon. Ben, on va essayer ça comme ça. Tant pis. Bon, moi je pense que j'ai le temps, 30 minutes, enfin, pour le temps qui reste. Ça va bientôt faire 10 minutes, presque. Ça va bientôt faire 600 secondes en tout cas. 500 secondes maintenant. Je pense que j'ai le temps de finir le monde. Bon, je sais bien, je l'ai fini, je sais pas combien de fois le jeu. Déjà quand je l'avais sur PlayStation 1 et ensuite quand j'avais ma PlayStation 3 je l'ai acheté sur le PS Store. Bon, on y va. Je pense que c'est le village, c'est le Moyen Âge. Ouais. Le deuxième c'est l'eau. Ça c'est la Chine. Ça, c'est les dinosaures. Et le dernier. Ah ouais, le jet ski. Bon, on va commencer par ça. Bon, j'espère que vu le. Ah. Ça lui parle dans le vent. Bon, encore une fois, je m'excuse pour la médiocrité. Ça y est, maintenant j'ai le mot en tête, donc voilà. Je m'excuse encore pour la médiocrité de mes vidéos. Mais voilà quoi. J'y peux pas grand-chose. C'est l'émulateur qui est lent, c'est pas moi. Enfin, aussi, moi, je réfléchis peut-être un peu trop. Enfin, je sais pas quoi dire, alors j'arrête pas de faire Tant pis. Bon, les caisses là, c'est des caisses
Trampoline. C'est bon. Hop. Ah ouais, c'est chaud quand même de jouer avec la manette. Ça fait bizarre de jouer avec une manette PlayStation 2. Ouais, PlayStation 2 Twist Master. Je vais faire avec l'accent, hein, Twist Master. Enfin, c'est bizarre, j'ai pas l'habitude. Bon. Ah voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas, mais à mon avis vous connaissez tous, je vais vous expliquer au fur et à mesure. La caisse là, c'est la caisse que... la caisse d'Ouga-Ouga, c'est un masque qui... C'est un peu comme une protection, si on se fait toucher, ben, le masque il part, on n'est pas mort. Au bout de 2, ben, on peut se faire toucher 2 fois, et au bout de 3, c'est genre l'étoile dans Mario, quoi. Ça c'est l'étoile, ça c'est la caisse qui clignote. Bah, elle se change et au bout d'un moment elle se transforme en métal si on n'a rien. Donc ça fait une caisse en moins. Et il est impératif d'avoir toutes les caisses. Enfin en fait c'est pas obligé mais c'est bien aussi d'avoir toutes les caisses. C'est mieux pour le jeu. Parce que quand on a toutes les caisses, dégage. À la fin du niveau on débloque la gemme. Moi j'appelle ça un diamant. Mais je crois que ça s'appelle une gemme. On débloque la gemme grise. Et voilà. Et donc, aussi, je tiens à préciser, je vais pas faire le jeu à 100%. Dès qu'on a fini tous les mondes, battu le boss, on débloque l'endroit, on débloque la warp zone spéciale en souterrain. Tout ce qu'il faut avoir, je sais pas combien de bazar. Ça, je vais pas le faire, non. Moi, je vais juste m'arrêter au boss final. Hein. Je trouve que c'est déjà plutôt bien. Sachant que dans mes projets à venir, oula ça lag. Sachant que dans mes projets à venir, j'ai Jak and Dexter de Precursor Legacy. J'imagine pas comment lui il va laguer. Ce sera dommage parce que j'adore ce jeu. Dans mes projets, j'ai peut-être aussi. Un jour, si je m'achète une deuxième manette, faire un let's play, enfin un let's play. Je sais pas si on appelle ça un let's play. C'est un peu, le jeu, c'est un party game, donc je vais plutôt, je vais appeler ça une. Oh, je suis passé en dessous de lui. Je vais appeler ça une aventure suivie. Je compte faire, si je m'achète une deuxième manette USB, faire une aventure suivie. Sur le jeu Crash Bash qui est un party game. En plus c'était mon tout premier jeu quand j'étais enfant. Ouais parce que moi je suis pas né à l'époque. Ah non c'était pas mon tout premier jeu. Oh non non. C'était. J'ai toujours cru que c'était mon tout premier jeu, la PlayStation 1 et Crash Bash. Non en fait j'avais la Super Nintendo 64 avant. Ouais, la Super Nintendo 64 avec Mortal Kombat. Donkey Kong là, j'avais quoi d'autre encore? Je sais plus. Bon, normalement je vais avoir la gemme parce que je pense que je les ai toutes. Et voilà, là ce que j'ai dit, j'ai eu, je crois que c'est sur triangle, voilà, 42 sur 42, j'ai la gemme. Ça fait combien de temps? Ça fait 850 secondes. Ouais, encore 900 secondes quoi. 950 secondes. Donc un peu plus de la moitié de la vidéo que j'ai fait pour l'instant. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, voilà, dans mes projets, donc... Excusez-moi. J'avais Jack 1. Bon, je vais un tout petit peu descendre le son parce que... Le truc c'est que je suis pas sur micro. Ah ouais en fait quand je sors la souris du jeu, quand je clique code part, le jeu s'arrête. Parce qu'en fait je m'enregistre pas avec un micro ni rien, je m'enregistre avec le bruit des haut-parleurs de mon PC. Donc mon PC enregistre le bruit du jeu et ma voix. Donc je dois plus ou moins modérer je dois plus ou moins modérer le son du jeu et je dois un peu plus élever ma voix.
Bon, la phase aquatique, ça c'est bien, c'était une bonne idée, parce que c'est un retour à la 2D, quoi. Enfin, à la 2D au jeu de plateforme. Ouais, c'est de la 2D, non? Les jeux de plateforme comme ça, sur profil, je pense que c'est de la 2D. Enfin, là, c'est de la 2D avec quand même du relief 3D, quoi, parce que... Ouais, donc non, les phases que j'aime vraiment pas dans ce jeu, c'est la phase avec les phases aquatiques là. C'est des phases que j'aime pas. La phase avec les dinosaures non plus, j'aime pas. La phase avec la moto, ça va, j'aime bien, mais il faut pas nier, c'est quand même chaud. Bon, ici il y a cette putain d'anguille. Moi je me taille. Ouais, ici c'est impossible d'avoir la gemme, hein. Parce que, enfin si c'est possible, mais pas tout de suite, parce que, en fait, oh putain, en fait, comment expliquer ça? Le jeu, il a des passages secrets et tout. Voyez les morceaux de corail là. Retenez-le en tête, je vais vous l'expliquer après. En fait, le jeu, il a des passages secrets. C'est un peu comme par exemple là dans un autre level aquatique, il y aura un endroit genre ainsi avec un passage secret, enfin un truc spécial à faire pour avoir le passage secret. Et attention, pour avoir le passage secret. Oula. Et on arrivera dans ce level-ci. Parce que regardez, voilà, c'est ça que j'ai dit, derrière les algues rouges, il y a des caisses. Et déjà au début du level, il y a... Oh, tant pis. Déjà au début du level, il y avait des caisses. Et j'avais pas ce gros poisson. Donc... Oh, excusez-moi, je m'exprime mal. Bah, c'est pas grave, c'est parce que généralement, quand je fais un let's play, parce que je vous dis, j'avais une ancienne chaîne, mais c'était pourri, donc je ne préfère même pas en parler. Quand je faisais des let's play avant, je préparais un petit texte à l'avance, mais juste le petit texte de début, quoi. Après, je me débrouillais. Oups. Et ça allait quand même. Mais là, le problème, c'est que j'ai rien préparé à l'avance. Je fais tout comme ça à l'improviste. Et voilà quoi. Et je sais pas quoi dire, franchement. J'ai pas envie de laisser un vide sans parler. Parce que sinon, on s'ennuie, quoi. J'ai pas, en fait, j'ai pas vraiment envie de laisser un vide comme ça, sans parler. Parce que, putain, c'est peut-être un peu désagréable. Enfin, c'est désagréable. C'est chiant, quoi. Comment tu veux que je dise ça autrement? C'est juste le jeu, comme ça, avec un bruit de fond. Avec le son du jeu pas très fort en plus. Et voilà quoi, c'est mieux quand il y a quelqu'un qui parle des fois. Enfin moi c'est mon point de vue, quand je regarde des let's play, j'aime bien que le gamer il parle et tout ça. Je trouve ça mieux quoi. Les let's play sans parole, c'est un peu à chier. Et le problème c'est que je sais pas quoi dire, donc je dis que de la merde comme là maintenant. En plus, je fais toutes les 5 minutes. Voilà. Et quoi. Ah, par contre, la phase là, je l'aime bien. Et bah voilà, vous voyez, je sais même pas quoi dire, je parle dans le vent.
Oula, ça va pas le faire, ça, vu le lag qu'il y a. Bon, tant pis pour toutes les caisses, hein, tant pis, tant pis. Hop, on saute. Bon, dans ce level-là, il y a moyen de se faire la plainte de vie. Comme vous voyez, il y a des vies partout ici. Bon, si je m'en rappelle bien. Le diamant, le cristal rose, il est juste ici, voilà, derrière les caisses. Moi, je me demande si dans ce level-là, à la fin, il y a déjà quelqu'un. Oh merde. À la fin, on fait un saut gigantesque, quoi. Je me demande s'il y a déjà quelqu'un que son jeu, il a buggé, genre il a lagué. Et le saut, il a été foiré, quoi. Il a sauté dans le vide. Mais bon, je pense pas. Alors, on continue. Voilà, parfait. Là, ici. Je me demande s'il y a déjà quelqu'un qui a foiré son saut, quoi. Mais je pense pas parce qu'en fait c'est automatisé, c'est géré par ordinateur, par fréquence. Allez. Ah, j'ai l'habitude d'utiliser les joysticks et... Ici c'est un jeu PlayStation 1, monsieur, on n'utilise pas les joysticks. C'est sur PS3 qu'on utilisait les joysticks. Les joysticks. Donc ça fait combien de temps? 1330, 1340. Ouais, c'est bon. Il reste un peu moins de 10 minutes. Que je n'aime pas ce level-là. Je le n'aime pas. Ouais, donc voilà. Vous voyez, je suis tellement, je sais pas quoi dire que je reprends maintenant un truc que j'avais pas terminé il y a bien 10 minutes d'ici. C'est bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Merde, oh putain. Je passe pas pour un con, quoi. En plus, je suis sûr ma vidéo va même pas être vue. Ouais, bon. Voilà, dans mes projets, comme je disais tantôt, il y a peut-être le let's enfin il y a le let's play sur Crash and Dexter de Precursor Legacy. Je trouve que c'est vraiment un jeu super, quoi. C'est un de mes jeux préférés. Je le préfère encore le 1 et au 2 et au 3, sachant que j'ai encore une PlayStation 2 chez moi. Et j'ai le 2 et le 3 encore. Mais je préfère le 1. Franchement, je préfère le 1. C'est vraiment un très bon jeu. Déjà, il est sorti en 2001, il a déjà 12 ans. Et il a vraiment des bons graphismes, et il est coloré, il donne bien, il est... Il... Oh merde. Je trouve qu'il est pas mal, quoi. Il est génial, ce jeu-là. Ouais, ce jeu, il est génial. Je trouve pas d'autre mot à dire. Enfin, il perd pas son âge, quoi. Il perd pas son âge. Il perd pas son âge. Non. Il prend pas de l'âge. Voilà. Il prend pas de l'âge. Enfin, il est quand même vieux pour un jeu, quoi. Il a déjà 12 ans. Mais on le voit pas, quoi. On dirait que c'est un jeu qui a peut-être. Allez. Qui a peut-être 5 ans maximum. Bon, j'exagère parce que maintenant, avec les graphismes, on croirait que c'est des films et tout. Mais. Allez, franchement. Pour ceux qui le voient et pour ceux qui l'ont déjà fait. Vous savez bien, quoi, ça c'est vraiment impressionnant pour un jeu de cette époque-là. À quel point il est... Voilà, quoi. Ça, j'aime bien le petit passement, le petit passage de la phase face caméra à la phase profil et puis la phase dos. Non, comme dos à la caméra. Ouais. Donc je disais, j'avais Jack and Dexter. Peut-être une aventure suivie. Je pense que c'est une aventure suivie pour ce qui est ça. Sur le party game Crash Bash avec une deuxième personne.
Quand j'aurai bien sûr une deuxième manette qui sait se brancher à l'ordi. Et peut-être aussi un let's play sur un jeu que j'avais quand j'étais enfant sur ma PlayStation 2. Que putain, ça va bientôt faire 30 minutes, faut que je me grouille. Je l'avais sur ma PlayStation 2. C'est pas un jeu que beaucoup de gens apprécient, j'ai l'impression. Mais moi, je l'aimais bien. Il était plutôt pas mal. Il y avait quand même de la réflexion à avoir. C'était Jackie Chan Adventures. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous connaissez. C'était un jeu que moi, j'aimais bien plutôt quand même. Ouais. En plus, je l'avais prêté à un ami, je l'ai jamais revu. C'était super. Mais merde. Ouais, ben voilà quoi. Et je trouvais ce jeu, ouais, il y avait de la réflexion à faire. Il fallait deviner qu'est-ce qu'il fallait faire. Utiliser ce super pouvoir là pour faire ça, etc. etc. Ouais, c'était plutôt pas mal quoi. Bref, moi je finis vite ce level là. Même s'il faut. Non, même s'il y a quelques petites minutes en plus, c'est pas trop grave. Je vais finir ce level-là. Sinon, j'aurais fait une sauvegarde rapide, mais ça va, c'est pas trop grave. Mais c'est parce que je sais bien, le level, il n'y a plus que la petite phase là avec... Ouais, sa mère. Il n'y a plus que la petite phase avec les caisses là. Maintenant, là, une dernière phase avec... J'allais dire le rhinophéros... Ouais, le rhinophéros préhistorique. Il n'y a plus que ça. Et puis je rends, enfin puis c'est fini et j'arrêterai le let's play. Bon, j'espère que vous avez apprécié. Ouais, je vous dis déjà au revoir là-dedans. J'espère que vous avez apprécié. Enfin, c'était pas très très réussi, je sais bien, mais bon. Soyez indulgents, c'est le premier let's play que je fais en un gros truc quoi, fait en PlayStation, etc. C'est le premier let's play que je fais de cette façon. Et donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aimer, à commenter. Abonnez-vous parce que je vous le promets, je vais m'améliorer. Et donc voilà. Je vais faire une sauvegarde rapide ou bien une sauvegarde traditionnelle. Non, allez, on va faire une sauvegarde traditionnelle. Hein. Une sauvegarde rapide, ça sera pour les moments de grande inquiétude, quand par exemple il me restera plus qu'une vie. Ouais, bref, voilà. Je ferai une sauvegarde rapide ou quand je galérerai avec un boss, mais je galère jamais avec les boss. Bon. Enregistrer une partie. Ah bah, j'ai même pas besoin d'appuyer, il le fait tout seul. Bon, bah voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était. D'accord. J'espère que voilà, ça vous aura plu. C'était Caca Arc-en-Ciel et. Regardez sa petite tête là. Mais regardez-moi cette petite tête. Il est tout content. Bref. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Caca Arc-en-Ciel ou... J'avoue, je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête quand j'ai mis ce nom. Bref, voilà. Allez, à la prochaine pour un nouveau let's play sur Crash Bandicoot 3 Warped. Et j'ai vraiment foiré toute la vidéo. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous dis au revoir. Ciao, ciao.